France est le deuxième plus grand marché de hip-hop dans le monde, second seulement aux États-Unis. Hip-hop est apparu pour la première fois en France en 1979, environ 10 ans après il est apparu aux États-Unis. La première grande vedette française de hip-hop était MC Solar. MC Solar est né à Dakar, qui est une grande ville au Sénégal, et il a déménagé à France quand il avait un an. Le premier album de Solar, qui a publié en 1991, était un grand succès. Solar était le premier artiste de hip-hop français d'avoir un disque platine. Après la percée de Solar, deux grands styles de hip-hop français ont émergé. Certains rappeurs suivent l'exemple de Solar, et ils font hip-hop qui est plus commun et moyeux. Autres rappeurs ont commencé à faire hip-hop qui est plus agressif et violent. Au début, hip-hop français était populaire parce qu'il y a une grande communauté Caraïbes et Afrique en France. Il y a beaucoup de familles immigrées de Caraïbes et d'Afrique qui vivent dans des zones qui sont à la périphérie des grandes villes, comme Paris ou Marseille. Ces zones sont très pauvres et urbaines. Ces zones sont appelées les banlieues et la plupart des rappeurs français viennent de ces banlieues. Hip-hop français est fréquemment utilisé comme une plateforme pour les immigrés africains et caribes de passer leur colère sur leurs problèmes ou de répondre à leurs problèmes. Souvent, hip-hop français concentré sur le fait que les immigrés en France sont vraiment désavantagés socialement, économiquement et politiquement par rapport aux non-immigrés. J'ai aucun contrat, ton cul c'est la jungle et ma bite c'est un anaconda. MC t'as pas les épaules, garde ton putain de statut d'écolier. Ton flow est plus cramé que jouer à cache-cache avec Guy Carlier. Fuck le président.